Le Mans FC recherche les talents de demain, alors il y a forcément de nombreux candidats. Tous sont licenciés dans des clubs de la région. Ils n'ont que quelques minutes pour convaincre, l'épreuve du jonglage s'avère incontournable. Le seul fait de jongler, ça permet de maîtriser cette balle, cet engin qui tourne, qui est rond, qui tourne, donc il faut le maîtriser. C'est mon père qui m'a proposé, à 5 ans. Ah, depuis 5 ans. Ouais. Et t'as envie de devenir joueur professionnel? On a coutume d'appeler cette séance de test une détection. Les éducateurs, eux, préfèrent parler d'observation. Ce qu'on recherche déjà, c'est essentiellement voir l'enfant heureux sur le terrain, déjà, qu'il ait du plaisir à jouer au football. Et après, voilà, c'est des sensations, on détermine quelques critères qui pour nous sont importants, mais c'est vraiment la sensation. Après, il est impossible de dire aujourd'hui qu'un gamin va devenir professionnel dans 10 ans. Le jeune repéré sera recontacté ultérieurement, mais d'ici là, il devra sans cesse se perfectionner et bien au-delà du club. À la maison, vous prenez un ballon et c'est tout simple. Ça peut se faire dans un coin de jardin, sur l'appartement, sur la table de la salle à manger. Maman va être contente.